Bonjour, on se retrouve pour le 7e match d'ITSL pour moi. J'ai gagné les 6 précédents, donc je suis à 6-0. Ça ne veut pas dire que ça va durer éternellement. Ok, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai l'Europe. J'ai des Factors. Alors. Comécon. Warsaw. Nuclear Test Ban, Cambridge 5, Nasser et l'Europe. Je pense que la line c'est Nasser, hein, surtout que j'ai des Factors, mais l'Europe m'embête un peu, je dois dire. Des Factors et Marshall. Ouais, Marshall. Bon, c'est pas une mauvaise main quand même. Mais bon, je préfère toujours jouer les Américains, ça c'est sûr. Surtout avec une main comme ça d'ailleurs, ça aurait été bien. Je vais lui envoyer un email, parce que je pense qu'il n'a pas eu... Ok, donc, du coup, en gros, Madeline, ce serait Nasser. Et ensuite, je tente un coup avec Nuclear Test Ban sur l'Italie, selon aussi ce qu'il va faire. En gros, ça pourrait être ça. L'autre option, ça peut être de tout de suite scorer l'Europe, c'est à voir. Ou de prendre un risque. Prendre un risque, et je veux dire qu'il va pas mettre tout de suite 3 en France, ce qui est aussi possible. C'est 60 minutes. Vu qu'il arrive en retard, vu qu'il avait créé le match en avance et que bon, je peux comprendre. Donc, bien sûr, je vais pas lui demander quand on arrive à 30. Je vais pas jouer à ça. Donc, s'il arrive par exemple à 25, je me proposerai à 25. Voilà. J'espère qu'il va arriver bientôt, sinon ce début de vidéo va être un peu long. Si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas, et que vous comprenez le français, n'hésitez pas à avancer un peu pour voir quand est-ce qu'il bouge finalement. Parce que ça va pas être très intéressant jusqu'à ce que ça arrive, je pense. Et j'avoue que j'ai un peu la flemme de monter la vidéo pour couper le passage où il n'est pas là. Je ne suis pas un très grand monteur, je le fais rarement, donc je préfère éviter et laisser la vidéo telle qu'elle. Um...
Est-ce que... Ah voilà. Allez, un petit nacer. Bah, parfait. Oh putain, yes. Ça c'était ce qu'il me fallait. C'était inespéré ça. Il joue rapidement lui aussi. Bon, j'ai eu pas mal de chance là sur ce premier coup. J'aurais pas eu Nasser, en plus il y a de bonnes chances que j'aurais pas fait le coup en Italie. Mais que j'aurais l'année l'Europe. Parce que sans social government, un peu plus chaud. Sachant qu'en plus il aurait pu faire une red scare. Heureusement il ne l'avait pas. Enfin, oui, il a préféré faire autre chose. Il a préféré faire un middle-east. Je trouve que c'est une erreur ce mouvement, mais bon, s'il veut. Ouais, première erreur de sa part, je trouve. Mais tant mieux pour moi. Après, je connais pas le reste de sa main. En plus, ça rend Marshall hyper jouable. Deux en Turquie, un en Italie. Après, j'ai peut-être pas grand foi de le jouer tout de suite, je peux attendre. Voilà et tout. Mais bon, va falloir que je protège l'Italie, ça c'est sûr. Ok, merci. Hop là. Donc il me reste deux coups, donc un pour protéger l'Italie et le dernier on va voir. Ok, donc putain. Eh ben, il parle d'un tour. Vu que j'ai un score à l'Europe, je pense que je peux me permettre de mettre tout en Thaïlande.
Alors, est-ce qu'il va se battre pour la région qui a été scorée ou pour celle qui est à venir? Je m'en doutais. Red Scare, très bien. Faire que des 1, que des 6. Alors que je protège l'Italie. Je vais mettre Italie 1, Turquie 2. Sachant que là, il ne reste aucune carte à 4 en plus. Non, US Japan, il reste US Japan quand même. Donc, faut que je me grouille de protéger l'Italie. Alors maintenant, est-ce que tu veux faire un coup d'état? Merde, putain, c'est vrai, je suis con. Putain! Alors là, par contre, il a de la chance. C'est moi qui étais aussi un peu con, j'aurais dû faire un coup d'état, mais... Bon, cela dit, ces résultats de coup d'état ont été particulièrement bons, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'il a eu, enfin, de réalignement comment est-ce qu'il a fait ça? Parce que j'étais à plus 1. Hein. Ah non, j'ai pas mis 1 en Malaisie, j'aurais peut-être dû du coup. Thank you.
Mais après, c'était. Ouais, enfin, j'ai eu des bons résultats, quoi. Mais après, ça arrive. J'ai eu 2-6 au coup d'état. Ok, ça me va. Containment. Oh putain! Ah, c'est à son tour d'avoir des résultats monstrueux. Ah, bien sûr, maintenant. Bon, bah, très bien, Fabien Plan, mais du coup. C'est-à-dire que je vais devoir commencer par Coréen Noir si je vais avoir une chance. Ouais. Qu'est-ce qu'il a lui? Il a Asia, Olympics. Putain, j'ai eu ni d'école ni d'estal en fait, c'est une seule partie. Hein. Il a d'école, d'estal. Chez Coréen Noir. Il a socialiste. Et j'ai la peine, ça a été joué. Truman, c'est moi qui l'ai. Duck, ça a été joué. East Open Address, ça a été joué. Formosan, c'est lui qui l'a. Donc ça serait là. Est-ce que c'est bien le cas? Bon putain, aucune des cartes d'accès, c'est vraiment dur. Il va falloir que je compense sérieusement là. Ouais, alors, du coup. On va faire une dépendance trades. J'aurais peut-être dû faire Truman avant, mais bon, en même temps, je pense que ça change. Ouais, j'aurais dû faire un coup d'état plutôt. Putain, mais il a des CG, bordel. Bon, ça va pas être facile, ça va sûrement être ma première défaite là, parce que malgré un bon premier tour, la suite devient très très mauvaise. Sans les accès, sans décolle, sans destal. Ouais, non, je vois pas comment je peux faire. En mode Yuen, putain, mais quelle main de merde! Ah.
Prochain coup, c'est Formosan pour un au Maroc et un en Syrie, j'imagine, ou en Arabie Saoudite. Et le reste d'Estat, les Socialist Government. Ouais, ça me paraît très compromis cette histoire. Putain, et en plus, j'ai la CIA, super. Ouais, ça sera pas ma partie. Je m'étonnerais très fortement que je puisse gagner celle-là. J'ai juste pas ce qu'il faut. Donc maintenant je peux prendre un gros risque, c'est est-ce qu'il avoue que sa femme est réca ou pas? Si la Voice of America, je suis tellement dégoûté. Non.
Il va retirer d'où les autres? Ouais, là vraiment, pour moi, je devais prendre ce risque. Il y avait très peu de chances qu'il ait Voice of America ce tour-ci. Il l'a eu. Bon, bah, au bout d'un moment, je peux pas non plus faire des miracles. Je peux tellement rien faire, enfin, j'ai vraiment zéro accès quoi. Putain, en plus. Il a pas joué à grand chose pourtant. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Ouais, il y en a 4, là. Ouais, il y en a plus. Hein. En plus il a cette carte là quoi. Tellement rien à faire. Qu'est-ce qu'il a eu? Bon, il a une très bonne deuxième main. En fait, j'ai juste eu un bon premier tour. C'est tout. Et après, il m'a enchaîné. Il a eu ce qu'il fallait pour spacer. Là, il a Voice of America. Enfin, il a tout ce qu'il faut, quoi. Je dois jouer Kitchen Debate. Ok, on se joue un pays près. Rune time, mon dernier espoir. Genève, Summit, Muslim. Putain, l'aune en plus, bordel, et la chance. Genève.
va tellement prendre cher. Seule erreur financière que j'ai faite, c'est de le laisser me rallier en Thaïlande. Pour ça, je considère que c'est pas une erreur. Pour moi, c'est vraiment un risque calculé. Colonial dans l'espace. Defectors, Sax America, Airtrap, putain, bien sûr, Airtrap 1. Mais sérieusement quoi, sérieusement bordel. Sur la Colombie c'était celui-ci, enfin quoi que non, si je faisais 6 c'était bon mais après il me l'a récupéré facilement. Qu'est-ce qui reste? Il reste Central, Southeast Asia, Europe. Si l'Europe peut pas me niquer, mais bon. Allez, joue. Victor, South America. Arabe israéli. Fidèle. Et culturel. Alors, qu'est-ce que tu fous? Sachant qu'en plus, t'as sûrement des bonnes cartes.
Ça hausse. On va lui prendre la chaîne à carte, je pense. Ouais, il faut que je lui prenne la chaîne à carte, ça c'est obligé. Oh, putain, il a de la chance dans ces jeux, bordel. Vraiment beaucoup de chat en plus. South America, Cultural Containment. Et bien sûr, celui qui assalte, donc je peux rien chercher. Il avait quelques moves que je trouve discutables, qui rend ça un peu plus frustrant que ça ne se passe pas bien. Soyons honnêtes. J'aurais dû faire ça aussi. Putain, bien sûr, il a une nucléaire faible. J'ai une carte qui est vraiment vitale parce que sinon je peux perdre très facilement. Avec Grain Cells. Je pourrais rien faire contre ça. Hein. J'aurais peut-être dû aller au Serral Stay ce moment. Bon, là il me faudrait vraiment une brochoir. Brochoir on time faire les grosses cartes quoi. Cela dit, j'ai réussi à esquiver pas mal de trucs, mais bon, la ZTCB ça va me faire très très mal quand elle va tomber. Et je pourrais pas m'en séparer. Il reste l'Asie du Sud-Est et l'Europe. Qu'est-ce qui reste comme événement? Il reste Will Bury You, il peut me faire Grain Cells. Donc non. Par contre, on va lui faire ça. Et on va enfin se débarrasser de la CIA, je pense. Ou pas.
On peut décider de jouer l'événement et ensuite de faire le coup, et c'est ce qu'il va faire, bien sûr. Allez, plante-toi, honnêtement, tu viens d'avoir un peu de malchance. Yes. Que ça vaut le coup de faire ça. Dans tous les cas, je vais rejouer la China Card. Pepe doit aller dans l'espace. Quand David, je vais devoir le jouer, hélas. Peut-être que je vais pouvoir jouer les deux là d'affilée. Je vais me prendre l'Amérique du Sud, à tous les coups il a Runta également, brochoir. Putain, il a une carte S-Ban bien sûr. Ok, tu veux jouer à ça. Je vois ce que tu veux faire, mais j'ai aussi des cartes à 3. Toutes les cartes qu'il faut. Hein. Je suis pas entièrement perdu hein, encore, malgré une situation très très chaude. Combien il reste de cartes dans la discard? Putain, je sais pas vraiment qu'il a l'Europe là. S'il a pas l'Europe, s'il a pas l'Europe là, je suis tellement niqué quoi. Si c'est pas l'Europe qui est dans le redraw, j'espère que c'est l'Europe qui est dans le redraw, mais je peux pas être sûr.
Si l'Europe dans le red rouge, pendant le red rouge, j'ai encore une chance. Si elle est tour 7, là vraiment, ça commence à être très compliqué. Ça veut dire qu'elle reviendra pas. Ah, quoique. Bah, non, 13, non, elle reviendra pas. Donc, non, c'est vraiment trop compliqué dans ce cas-là. A été joué, non? Est-ce que Norad a été joué? Ok, ça me laisse un espoir qu'il est vraiment ça. Et s'il l'a pas, de toute façon, je suis niqué. Hein? Il l'avait, ouf. Ok, donc j'ai Quagmire qui va être ma headline, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il a lui du coup? Il a Runta, ça je sais. Il a Southeast. J'ai Oilern. South African, Quagmire, Suez, Ilache, il a Cambridge 5, non j'ai Cambridge 5, j'ai Brochoir, donc il a Panama, Panama fait chier, OAS, non OAS c'est moi, il a Alliance, il a Special, il a Latin American Death Squad, je crois. Cambridge 5, ça a été joué. Et NORAD, est-ce que ça a été joué NORAD ou pas? Ça a pas été joué, hein. Donc du coup, ok, j'ai lu prendre la France aussi, mais j'ai bien l'impression que je peux tenter de gagner autrement. OPEC, ça peut me donner 3 points de victoire. De plus avec l'Egypte, en même temps, ça date dans la descar, donc je suis pas sûr d'avoir envie de faire ça.
Bien sûr, lui, il réussit du premier coup. Hein, tant qu'à faire. Ah, c'est important, il faut que je le tente. Ouais, j'essaie de me réunir à plus 1, à plus 0 plutôt. Et yes, et ça a marché pour cette fois. Qu'est-ce qu'il reste? Nora, Sousis, Alliance. Attends, OPEC, ça vaut le coup là, ça va vraiment faire beaucoup de points de victoire. Mmh. 1, 2, 3, 4. Je peux m'amener à 13. Qui connaît ma main, l'enculé. J'avais oublié ça. Bon, bah, j'ai pas le choix. Et en plus, il y a une grosse main, bien sûr. Ok, donc là je parle de domination de l'Afrique également, c'est intéressant. Moi je vais China Card. Nora de l'Alliance spéciale. Il peut jouer à l'Alliance maintenant. Ce qui est chiant, c'est que je vais galérer maintenant à aller en Amérique du Sud. Nora. Putain, de nouveau, il a les bonnes cartes. Où est-ce qu'on peut aller d'autre? Où est-ce que ce serait intéressant d'aller également? Peut-être. Ouais, fait chier.
J'ai pas une musique très ce qu'il y a dans l'espace. Est-ce que je vais au Nicaragua? Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller au Nicaragua? Je suis pas du tout sûr. Guatemala peut-être. J'avais besoin de beaucoup plus. Ok, stop and rest dans l'espace. J'ai dû rajouter une éclair sable à la toute fin du tour. Ouais, c'est Jaina, ouais. J'ai joué à Jaina Garde aussi. En fait, j'ai vraiment joué à Jaina Garde dans tous les cas, non? Il y a beaucoup de cartes qui lui permettent de l'avoir. Pas trop d'idées de quoi faire là tout de suite. En soi, j'ai pas besoin forcément de. Non, j'en ai pas besoin. On va mettre 4 au Japon. Ok, elle est sur progrès si tu veux. Je vais prendre des risques. Hein. S'il a de la chance sur les retirages, attention il a gagné, mais je pense quand même que cette partie était plus de son côté. Notamment les cartes d'accès ont très mal joué pour moi. Donc ça m'étonnerait quand même que je gagne. Mais tout est possible. S'il lâche, je suis bien niqué, mais bon, de toute façon, je t'ai déjà en suivi. Il faut prendre des risques.
peut pas être que le jouerai, je pense. Stop 1 dans l'espace. Peut pas, je vais le jouer. Peut-être pour un coup. 1, 2, 3, ouais. On va jouer ces trois cartes-là, East Open, Cuban Missile et Pupette, non East European dans l'espace. Non. Qu'est-ce que la tête des échecs en même temps là, il va me niquer le Venezuela s'il fait ça. S'il fait ça, 1-2. Ah, il peut trop facilement me niquer l'Europe. Hein. Il a dit que le Venezuela, aucun des deux n'est bon à prendre. Après ça, il reste un coup. L'autre, attends, je suis occupé. Je sens que je pourrais même pas casser, c'est ça le pire. En fait, qu'est-ce que je vais faire de cette carte? Pupette, suivi d'un coup, ça peut être pas mal. Pupette, en même temps, ça peut. Bon, de toute façon, l'Europe, il va pouvoir l'égaliser, hein, si vraiment il veut. Je peux pas faire grand chose, hélas, contre ça. Ouais, il aura eu deux fois la Red Scare également, ça va être quand même pas mal. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un peu trop de mains compliquées. Est-ce que c'est bien? Qu'il est terrorisme. C'est pas si nucléaire ça, si histoire que maintenant restait le meilleur truc à donner, peut-être que j'aurais dû donner l'autre. Ouais. Là au moins il a des mains compliquées. Peut-être d'y mettre Pupette, je sais pas. J'ai l'impression qu'il a une main compliquée, qu'il pourra pas. Ouais, voilà, c'est ce que je pensais.
enfin une bonne main. Tchernobyl à la toute fin. Solidarity, je peux la jouer avec Asknot ou... Solidarité dans l'espace. Vraiment très nul cette main. Ouais, j'ai pas eu de chance quand même, hein. Putain, ça aussi, c'était un pari qui avait le coup d'être risqué, et maintenant je me fais niquer avec ça, c'est un peu injuste, je trouve. Oh putain, sérieusement! Ah putain, ouais, ça fait un peu chier cette partie quand même, parce que j'aurais vraiment pas été vernis. En fait j'aurais eu plein de mains de merde quand même, enfin... Celle-là était pas incroyablement mauvaise, mais j'ai pas eu les bons résultats de dés. Allez, quand est-ce qu'il y a des cartes difficiles, lui, à jouer?
En plus, il met une plan en main. Je peux encore gagner, mais il faut vraiment que j'ai un gros tour pour la fin. Trop tour serait plutôt mérité quand même. Le nombre de tours galères que j'ai eu. Tellement eu des régés de réalignement de taré mais dans tout le jeu quoi. Putain génial, il a. Et en plus il a la scoring de l'Amérique du Sud. L'Afrique quoi, il avait l'Afrique en plus, génial. Et en plus pareil, je devais le tenter parce qu'en fait, qu'est-ce que je pouvais faire sans Tchernobyl, il allait me casser l'Europe. Donc c'est exactement la même situation. Il a tenté le truc et je me fais niquer parce que c'est lui qui a le scoring qu'il faut. Il y aura eu tellement de chat. Suite de la vidéo, ça va être losing à vue bête. Hmm.
prendre le scoring des minimalistes. Bien sûr. En plus, c'est pas de l'inverse qui me prend. Trigger escoré, j'aurais pu gagner. Là, ça va vraiment être chaud, même avec ça. Il a 3, 5, 8. Après, je suis à... s'il loupe son coup. Il manque la China. Ça. Pourquoi est-ce qu'il a toujours de la chatte en fait, enfin... Six, dix. Il n'a pas accès à la Hongrie ni à la Bulgarie. Mais putain! Ah mais c'est pas vrai cette partie, hein.
Et bah oui, allez. Il a déjà gagné 17. Ouais, il a déjà gagné 24. 10, 6, 5, 21. Ouais, bon bah voilà, hein, partie de merde, clairement. Là, je trouve qu'il a pas si bien joué que ça. Mais juste, ses jets de dés étaient démentiels, donc en fait, je pouvais rien faire. Parfois ça arrive. Et en plus, j'aime pas les gens qui ne parlent jamais. Ouais, c'est fini, voilà.